Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui, l'on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Burkina Faso pour revenir sur la récente tentative de coup d'État qui a eu lieu dans le pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, malgré tout le bonheur qu'il procure au peuple burkinabé, n'échappe pas à des personnes qui veulent le voir à terre ou alors loin du palais présidentiel. Celui-ci, depuis sa prise de pouvoir, s'est fait beaucoup d'alliés ainsi que plusieurs ennemis, des ennemis notamment sur le plan international. Tout comme son prédécesseur Thomas Sankara, le capitaine Ibrahim Traoré se présente aujourd'hui comme un grand révolutionnaire du côté du Burkina Faso et du côté de l'Afrique tout entière, ce qui lui a valu plusieurs conflits sur le plan international vu que celui-ci a mis fin à plusieurs accords de coopération jugés illégaux avec l'ancienne puissance colonisatrice telle que la France. Donc aujourd'hui du Burkina Faso, bien que le capitaine Ibrahim Traoré bénéficie certainement à 70% du soutien du peuple, celui-ci est également détesté par certaines personnes qui veulent le faire tomber. Du côté du Burkina Faso, plusieurs organisations ont été créées dans le principal but de renforcer la sécurité du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs organisations sur le plan civil notamment car le peuple semble véritablement soutenir son dirigeant. Et bien les amis, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler de cette récente tentative de coup d'État qui a eu lieu il y a cela quelques jours du côté du palais présidentiel où nous avons un individu autant pour nous non identifié qui était en train de foncer sur le palais présidentiel et malgré les tirs de sommation, celui-ci n'a pas rebroussé chemin, chose ayant ainsi conduit les forces de l'ordre et la garde présidentielle à agir rapidement pour stopper en quelque sorte ce dernier dans son entreprise de déstabilisation du pays. Eh bien les amis, depuis lors, le capitaine Ibrahim Traoré est véritablement en quelque sorte bien surveillé et sa garde rapprochée aurait été renforcée certainement avec la présence de plusieurs instructeurs russes très expérimentés qui, grâce à leur nouvelle technologie, parviennent à prévenir des attaques contre le palais de Koulouba. Et bien les amis, telle est bel et bien là l'information que nous avons pour vous en ce jour. En ce qui concerne cette récente tentative de coup d'État, plusieurs officiers ont été interpellés. Deux en ce moment ont fui pour s'exiler du côté de la Côte d'Ivoire selon certaines révélations. Donc deux hauts gradés dans l'armée auraient fui après cette tentative ratée de coup d'État. Mais jusqu'à présent, le tribunal militaire de Ouagadougou reste à leur crousse comme a bel et bien martelé tout récemment le procureur de la République. Et bien les amis, c'est là l'information que nous avons pour vous une fois de plus en ce jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt donc pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.